Coucou, ami Balance. Allez, on est parti pour le tirage sentimental du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, que le général vous a parlé. Donc, merci de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Ça réconforte le travail que nous faisons. Voilà. Donc, moi, on ne se sent pas inutile. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de visionnage, mais très peu d'abonnés. Donc, c'est un peu frustrant. Voilà, donc écoutez, on va aller voir avec l'oracle lumière le message qui vous est destiné pour ce mois de mai 2022. Alors, on a eu cette carte. Vous avez la sagesse. Il y a le commerce et il y a la rencontre. Donc, c'est déjà pas mal. Déjà, mes amis Balance, vous savez qu'il y a une rencontre qui arrive. Voilà. Il y a la jeunesse et les idées mélancoliques. Et on me parle d'accident, de guérison, de cadeau, de clé du destin. Balayer le passé. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on va prendre jusqu'ici. Alors, on me dit que ça va être une rencontre par accident, par le hasard, hein. Peut-être êtes-vous en pleine guérison. Pardon, cette rencontre peut-être va vous guérir. Voilà, ça va être un cadeau, une récompense, hein. Vous allez peut-être recevoir, vous allez prendre cette rencontre pour une récompense. Enfin, voilà. Ça va être la clé de votre destin. Vous allez pouvoir balayer tout votre passé. Donc, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir regarder plus au loin, hein, dans les horizons nouveaux. Voilà, vous allez, avec cette personne, vous allez avoir beaucoup de désirs et d'envie. Ça va être une découverte, une réelle découverte, et ça va être, vous êtes sur la pyramide évolutive, quoi. Donc, vous allez évoluer, vous allez vous évoluer, vous allez vous, voilà, vous allez vous grandir. Je pense, sur ce suite à cette rencontre que nous avons là. Nous avons la rencontre. La rencontre. Alors, on me parle de sagesse et de commerce. Donc, ouais, donc cette rencontre, vous l'avez peut-être. En fait, vous avez la sagesse, vous avez l'équilibre dans votre métier. Donc, peut-être vous travaillez dans le commerce, dans les transactions, dans une association, peut-être aussi, hein, une association communautaire. Donc, peut-être avez-vous rencontré cette personne. Donc, voilà, dans cette association. Et en fait, peut-être aussi vous êtes c'est une personne peut-être qui vous est revenue de votre jeunesse. D'accord? Donc, ou alors, vous avez fait cette rencontre donc sur votre lieu de travail, hein, commerce, représentant que vous êtes, enfin bref, représentante, ou, peu importe le sexe. Et voilà, avec cette personne, vous allez vivre dans l'insouciance, quoi. Vous allez vivre les instants présents.
et oublier toutes vos idées mélancoliques, de solitude. Voilà, vous allez profiter en fait de tous les instants présents, carpe diem, quoi. Voilà, carpe diem. Vivons l'instant présent, avant qu'il soit trop tard. Voilà, donc j'espère que le message vous a parlé. Si c'est le cas, parce qu'en fait, oui, elle va vraiment vous aider. Je dis elle parce que c'est cette personne, hein, que ce soit homme, femme, hein, je le redis bien, hein. Elle va vraiment vous aider à vous élever, hein, quand même, hein. Vous allez vraiment, elle va vous aider à guérir. Vous allez prendre cette aubaine comme cadeau, une récompense. C'est la clé de votre destinée. Vous allez balayer votre passé. Vous allez pouvoir voir des nouveaux horizons. Voilà, découvrir des désirs, sexualité, ça parle d'elle-même, hein. Et vous allez faire de grandes découvertes et vous élever. Donc, effectivement, je pense que quand vous allez faire la rencontre de cette personne, vous allez vivre l'instant présent. Voilà, c'est vivre dans l'insouciance. Et je trouve ça super chouette, non? De ne pas se prendre la tête. Voilà, allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Voyez-vous, on a la fidélité et la légèreté. Donc, vraiment, ouais, je pense que ça va être vraiment un amour vraiment passionnant et, vous voyez, permission, légèreté, c'est trop beau. C'est trop beau, mes amis balances. Allez, pourrais-je avoir un message pour les balances? Mai 2022, s'il vous plaît. Message pour les balances pour mai 2022. S'il vous plaît, mes guides. Avons-nous un message pour les amis balances? Avons-nous un message pour les amis balances? S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on me parle de quelque chose qui dure dans le temps, déjà. C'est bien. Allez, mes guides, avez-vous un message pour les amis balance, s'il vous plaît? Oh là là! Oh là là, la bêtise, la bêtise, la bêtise. Je vais prendre celle qui est tombée par terre. Voilà. Alors, je coupe. Et nous avons la chance. C'est une très grande chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça va durer. Et de pouvoir vivre chaque instant comme si c'était. Voilà. Comme si c'était le dernier. Voilà, regardez. Le regain. Voilà, même en plein. Ouais, écoutez, parce que vous étiez en pleine crise, là. On me dit que vous avez. Voilà, y a un regain de vitalité dans votre situation, ami balance. Allez, pourrais-je avoir une carte, s'il vous plaît? Une autre carte, s'il vous plaît, pour mes amis balance, mai 2022. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais il joue avec moi là aujourd'hui, hein. Mes guides jouent avec moi, ils me prennent le paquet entier, quoi. J'hallucine. Ouais, et puis moi, je ne mets pas l'endroit. Non. Hop, hop, hop. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de sang qui coule, c'est pas. Voilà. C'est bon, ça y est, on est reparti. Voilà. Allez. Deux cartes, s'il vous plaît, mes guides.
Après, je vais avoir deux cartes pour les balances mai 2022. Voilà, tout en souplesse. Ouais, non mais c'est beau, hein. Là, il y a trop de cartes. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Eh bien, et en dos de deck, on a l'intérêt, la crise, le stop. Ouais, bah vous étiez vraiment oui, vous avez peut-être vécu un espace, un temps de crise, un temps de crise, hein, mes amis, balance, hein, vous vous êtes mis à l'arrêt. Mais là, on me dit que le couple, il y a un couple qui se reforme, on vous donne la permission. Voilà, on vous donne la permission parce que vous avez été trahi et que vous êtes prudent. Voilà, vous avez eu la trahison et que vous êtes prudent. Donc, par une personne jalouse qui est peut-être manqué de communication. Voilà. Et on me dit qu'il y a, voilà, vous voyez, il y a une, vous étiez peut-être avec une personne jalouse qui manquait de communication. Mais là, on me dit qu'il y a une attirance puissante et que ça va être un bonheur total. Donc, et une réelle harmonie, d'accord. Et il y a des promesses qui vont se faire et un nouveau départ qui se crée et un coup de foudre. Bah écoutez, et le grand amour. Bah écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Parce que après, après l'oubli, on a la fidélité, hein, mais bon, c'est trop beau, hein. C'est trop, trop beau, hein. Votre jeu, mes amis, balance, il est magnifique, hein. Donc, oui, là, vous allez rencontrer, il va y avoir un regain, donc, pour ce couple, là, voilà. Voilà, vous avez fait la rencontre, il y a un regain. Donc, même en plein désert, on peut faire pousser une rose. Moi, je, voilà, j'ai pas essayé, mais je peux vous l'affirmer. Qu'il va y avoir un amour, ça va être une chance inestimée et ça va être un amour durable. Hein? Donc, qui est, on me dit, plein de souplesse et que vous allez pouvoir faire confiance. Ouais, c'est trop, c'est très très beau. C'est le message, il est, voilà. Je trouve que le message est écrit de lui-même. C'est vraiment très très bien. Ouais. Bah écoutez, dites-moi comment ça vous a parlé, mes amis. Balance. Mettez-moi un petit commentaire, je serais curieuse de le lire. Ouais, je suis une curieuse. Allez. Les amis, balance. Mai 2022, s'il vous plaît. Allez, on va faire le tirage de 9 cartes. Brasser les cartes. Ouais, vous allez vous élever, hein. Ils le redisent, hein. Donc, c'est bien. Allez. Amis balance, vous avez quand même un mois de mai exceptionnel, je trouve. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love ce que ça va nous apporter.
Alors, il va y avoir un message envoyé. Peut-être aussi un message envoyé par une personne désintéressée, hein, pas sérieuse. Ouais. Et vous allez le recevoir, mais vous allez être guidé. Vous allez être guidé par vos guides et vous mettre en mode stop. Ouais. Donc là, en ce moment, vous êtes en mode stop. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, vous allez avoir la chance, hein, encore une fois, de recevoir une invitation d'une personne raisonnable, sensée, sage, d'accord? Pas voilà, d'une personne qui a la tête sur les épaules, voilà, qui a du vécu, qui est réfléchi, voilà. On me dit de faire attention quand même aux tromperies. Hein? Il y a une personne qui arrive vers vous dans 3 mois. Il va y avoir de l'amour charnel. Et on me dit que peut-être ça sera pour cet été. Donc, dans 3 mois, bah oui, hein, on est en... Bah, l'heure actuelle, on est encore en avril. Donc, mai, juin, juillet, ça peut aller jusqu'à la fin août, hein, même, septembre. Hein. Avec un cancer lion vierge, hein. Ça va être une atmosphère chaleureuse et détendue. Ben, vous allez recevoir une invitation, oui, et ça va être détendu, hein, ça, je vous le confirme. Allez, blague à part. Voilà, donc on me dit que c'est pour la polarité masculine, hein, enfin, que vous soyez homme, femme, peu importe. Mais vous allez avoir la chance de rencontrer une personne, de vivre un amour charnel. Hein, et cette personne peut arriver dans 3 mois. On me dit, on vous dit de soyez soyez prudent, soyez voilà, prudent parce que cette personne peut porter des masques ou vous pensez qu'elle porte un masque. Vous êtes méfiant parce que trop de tromperies, voilà. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Mais moi, je pense que, ouais, dans 3 mois, vous risquez d'avoir la chance de rencontrer une personne sincère et de toute manière, vos guides sont là et vont vous mener sur le bon chemin. Voilà. Donc, avec le message, les deux messages qu'on a eu là, de message lumière et le grand oracle de l'amour, ça confirme quand même bien les choses. Hein. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés. Regardez, encore la chance et de pouvoir écrire une nouvelle page à votre histoire. Donc, allez, balance, mai 2022. Qu'avons-nous pour les balances en mai 2022, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, bah oui, hein. Bah, vous allez peut-être concrétiser un foyer. Vous avez la personne amoureuse qui vous attend. On me dit que c'est
pardon, que c'est le moment, voilà, et que vos rêves, vos désirs, vos envies vont se concrétiser. Donc, oui, bah oui, hein, vous avez la chance, vous allez vous stabiliser, vous avez la chance, vous allez écrire, signer des papiers officiels, déménager, couper ce que vous avez semé, récolter ce que vous avez semé, faire le bon choix. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, moi, ouais, regardez, vous avez quand même, vous allez être rusé, hein, vous allez être rusé, vous allez faire attention au piège, hein, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, soyez prudent et attention au masque. Et c'est voilà, vous avez les deux signes là, hein, donc c'est vraiment le signe que vous allez trouver le bon, la bonne personne. Hein. Allez, regardez, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez le soutien de l'univers, vous avez la sérénité, hein. C'est déjà une ligne spirituelle très très harmonieuse, moi je trouve. Voilà, vous êtes sur le départ doucement mais sûrement, vous y allez sûrement mais doucement mais sûrement, vous étudiez quand même, hein. Vous étudiez la question, comment, hein. Mais vous êtes fort, vous êtes serein, vous êtes stable, vous êtes ancré et vous allez pouvoir traverser le pont pour rejoindre la personne de l'autre côté. Bah, tous les signes vont l'avoir, cette carte. Hein. Voilà, donc vous allez vous exprimer, vous allez savoir vous exprimer, baisser votre masque, dire la vérité et il y a des signatures officielles qui vont se faire. Voilà. Ouais, parce que vous avez la protection de l'étoile, hein, mais vous allez donc vous ouvrir, l'un et l'autre, vous allez vous ouvrir, vous allez vous dire, dire ce que voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, tout, voilà, tout. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rejoindre sur le pont des souhaits, c'est quelque chose. Hein. Là, bah oui, donc. Oh, pardon, excusez-moi, mais le café s'impose là, vous voyez? Donc, je termine avec vous et après, je vais prendre un café. Voilà, vous savez tout, hein, ma vie, donc c'est bien. Ouais. Mais donc oui, bah, vous étudiez la possibilité de concrétiser, de et peut-être suite à votre rencontre qui est forte probable, vous signez chez un notaire, chez un avocat, chez un banquier pour concrétiser bah, l'achat peut-être d'une maison. Voilà, donc. Non, non, c'est. Je trouve que les balances. Votre jeu n'est pas trop mal. Hein. Mais pas mal du tout, même. Surtout la ligne du milieu. Protection de l'étoile, protection divine avec les chouettes et la sérénité du jardin. Bah, excusez-moi, mais. Excusez-moi du peu. Voilà. Allez, je vais répondre à votre question avec les réponses angéliques. Donc, posez-vous la question et je vous réponds. Allez, pour les balances, mai 2022, s'il vous plaît. Mai 2022, balance, s'il vous plaît. Balance, s'il vous plaît. Allez, mes guides, on va avoir la réponse. Alors, on me dit, la situation va s'améliorer dans un avenir rapproché.
si vous faites des compromis. Et on me dit, ouais, attendez-vous à un signe. Voilà, on me dit ça. Votre réponse, voilà. La situation va s'améliorer dans un avenir proche. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Il va falloir faire des compromis. Et attendez-vous à des signes. Voilà mes amis Balance. J'espère que le tirage vous aura plu. Si c'est le cas, ben merci de partager, de liker, de vous abonner si vous passez par ma chaîne, d'activer la clochette. Et moi, je vous dis à très vite pour les tirages du mois de juin. Voilà, à très bientôt.